Avis à la population, on vous présente la place du village. Bonsoir à tous, bienvenue en ce jeudi 17 novembre 2022. C'est l'heure de votre quotidien de la place du village. On est ensemble entre 19h et 20h pour vous faire voyager en Savoie Mont-Blanc avec toute l'équipe de la place du village. J'ai pris l'habitude avec bien entendu des reportages comme chaque soir. Donc durant cette émission, on parle également de ce qui se passe dans vos villes et dans vos villages. Également aussi quelques informations locales et puis on aura également aussi des prévisions de la météo complète pour la journée donc de demain vendredi avec encore un temps qui sera encore assez perturbé sur l'ensemble donc des pays de Savoie. Donc ça sera à 19h50. Comme tous les soirs dans cette émission, vous pouvez donc réagir en direct sur Facebook et également en simultané sur YouTube et pouvoir aussi également nous suivre depuis votre écran de télévision avec la chaîne YouTube disponible sur toutes les box internet. Comme tous les soirs, on vous emmène bien entendu à travers les pays de Savoie avec des reportages dont voici le sommaire de ce jeudi. Nous sommes le 17 novembre. Et bien ce soir dans la place du village, on vous emmène encore découvrir justement des beaux reportages, notamment celui de Edelweiss du côté de la fête de la Madelon qui s'est déroulée du côté de Courchevel-les-Prats dans la vallée de la Tarentaise en Savoie. Retour donc durant cet été avec ce reportage de Edelweiss tout en musique donc à découvrir. On aura également créateur de statuettes en clous. Ce soir, une belle rencontre dans le département de l'Ain, donc à Brance, dans le Bugey, avec Jean-Noël de Paris, qu'on retrouvera donc tout à l'heure donc pour ce reportage. On aura également donc la fameuse dentelle au fuseau du côté de la Gétase en Aravie, en Savoie, à un moment à retrouver avec donc Philippe de Paris. Cette fois-ci, vous serez tout donc justement sur la dentelle au fuseau. Et puis, on aura un petit tour en arrière dans les archives de la place du village. Et bah oui, notre cher Mimi Poyak qui nous manque beaucoup. Mais on voulait absolument revoir ce reportage, la gnôle en vue. Vous êtes très nombreux à nous demander des reportages. Et bah ça soigne des pieds à la tête, dit-elle à l'époque. Et bah on le retrouvera pour ce moment souvenir. Donc, dans les archives de la place du village. Et puis enfin, on terminera l'émission par la belle chapelle de du Grand Mornon, pardon. On ira du côté des confins exactement pour cette visite avec des images donc de Jean-Noël de Paris qu'on retrouvera tout à l'heure. Donc pour finir cette émission de ce jeudi donc 17 novembre, vous êtes donc les bienvenus si vous venez toujours de nous rejoindre. On vous emmène comme tous les soirs sur Facebook et sur YouTube traverser nos pays de Savoie avec toute l'équipe de la place du village qui se mobilise durant toute la semaine et même le week-end pour pouvoir vous apporter de beaux reportages. Et bien justement, des beaux reportages, c'est notamment du côté de la Savoie avec notre correspondante Edelweiss qu'on va donc vous proposer de revoir sur un reportage très musical ce soir avec la fête de la Madelon qui s'est déroulée du côté de Courchevel-le-Prat dans la vallée de la Tarentaise. La Tarentaise, un endroit paradisiaque que je vous propose de retrouver, surtout tout en musique, vous allez voir, lors de cette fête. C'était durant cet été. Voici le reportage de Edelweiss. Thank you.
moi ce que tu veux. Bon, nous sommes le jour de la fête de la Madelon, à Courchevel, au bras, le bras de Courchevel. Et la fête va se dérouler comme tous les ans. C'est une fête qui est organisée et qui est à l'origine organisée par la commune. Maintenant, on a repris un peu ça à la Rue Gétonne pour continuer la fête. Ces fêtes étaient organisées à partir du Moyen-Âge dans tous les villages de montagne pour éviter une trop grande consanguinité. Ce jour-là, la commune faisait une soupe globale et puis les gens venaient manger la soupe gratuitement. Et à l'époque, ils amenaient leur pique-nique et après ils pique-niquaient, c'était uniquement le midi. Et donc tout le monde s'est gaillé autour du lac du Bras. Et... C'était uniquement pour amener tous les jeunes au même niveau, de tous les niveaux de la commune, de manière à ce qu'ils se mélangent et qu'il n'y ait pas une trop grande consanguinité à chaque étage. Donc, je ne sais pas, une certaine consanguinité. À l'époque, on parlait du crétin des Alpes, mais des crétins, il y en avait partout. D'ailleurs, maintenant, c'est plus la même époque, les crétins, il y en a partout quand même. Alors, ça ne nous fait pas du mal quand on nous dit qu'on est les crétins des Alpes. Voilà. Donc, moi qui voyage beaucoup, c'est que ces coutumes se perpétuent dans les pays asiatiques et dans tous les pays pauvres pour les mêmes raisons. En fait, ce n'était pas une fête qui était dénuée d'objectifs. L'objectif, c'était surtout pour les voilà. En deux ans, il y a une deuxième tradition qui s'appelle la Rue d'Étonne, qui était aussi faite à partir de Saint-Mange. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, quand vous avez fait l'esquive, les 100 jours en montagne, il fallait aller vendre le produit de l'estive, c'était le meilleur fromage que se produisait dans l'année. On allait vendre ça dans les États de Savoie, parce qu'on était les États de Savoie, et que pour des raisons administratives, on n'avait pas le droit de vendre des fromages à boucher et tout le reste. Donc, il y avait une division administrative qui nous empêchait. Nous, la vallée de Tarentaise, on était obligés de passer l'école de la Vanoise et d'aller vendre le fromage à Suzette-Turin, qui était la capitale des États de Savoie, donc autre capitale. Là, vous voyez des mulets, là, c'est du mulet de la Rue d'Étonne. C'est une coutume qui se perpétue et qu'on redémarra au mois de septembre, comme tous les ans. Le chemin des corps, il y a le chemin qui descend la pierre. Adieu la place du village. Qu'est-ce qu'il raconte? Heureusement qu'on vous a, parce que ce serait bien malheureux. Les frères de Paris, c'est toute l'équipe. Respect. La soupe au chaudron. Regarde, il va mettre la soupe. Le monsieur, il a de la soupe dans le coin. Bonjour, la place du village. On adore. Et alors lui, c'est des caprices. Hiver, on se prend un là-bas. Et après, ils font manger, ils font de leur nourrir avec eux. Bonjour la place du village. Thank you.
Dès le Dahu, en ville, ils ont créé les trottoirs, c'est pour que le Dahu descende dans la montagne, dans la ville. Les deux grandes pattes sur la route et les deux petites sur le trottoir. Et après, il est obligé de toujours tourner en rond parce qu'il ne peut pas faire marcher. Parce que si on l'appelle et qu'il se retourne, il se retourne. Si tu veux chercher le Dahu, tu l'appelles, puis il se retourne, il tombe. Aïe, mout, mout. Mout. Aïe, mout, mout. Ah oui, ils l'ont bien mérité. Ah oui. Ah, ça tape, hein. Bah oui, il faut dire que là, il y a pas beaucoup de soucis. Là, on va leur donner un... Tu veux passer sur la place du village? Ah oui. Des moutons d'Ouessant et puis des moutons du Cameroun. Voilà pour le reportage de Edelweiss du côté de la fête, donc durant cet été, de la Madelon exactement, en Savoie, en Tarentaise. Vraiment un bon moment musical et de partage. C'est ça aussi la place du village. Je vais vous proposer bien entendu des reportages, également aussi le savoir-faire donc, de nos artisans à travers nos pays de Savoie. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et puis à partir du 1er décembre, bien entendu, la quotidienne se transforme en Père Noël. On aura vraiment de très beaux reportages à retrouver pour les fêtes de fin d'année avec quelques idées également, cadeaux pour les fêtes de fin d'année. On verra quelques reportages grâce à toute l'équipe de la place du village. Allez, on continue avec cette fois-ci des reportages. On continue avec cette fois-ci, on va retrouver Jean-Noël de Paris dans ce reportage avec un créateur de statuettes en clou. Et oui, vous allez voir qu'il y a vraiment des grands professionnels. On va donc aller écouter de Bran dans le Bugey, dans le département de l'Ain, pour cette découverte avec ce reportage signé par Jean-Noël de Paris. Un four à pain, vous l'avez reconnu. Eh bien, regardez, il est fait avec du bois certes, mais aussi surtout avec des clous. On va en parler avec à mes côtés Jean-Marc Rubatier,
au clou par clou, Jean-Marc. Mais quelle drôle d'idée de faire des petites sculptures comme ça avec des clous. Eh ben oui, mais moi j'ai toujours aimé les choses fines. Et j'ai fait des choses avec des boulons, des écrous, mais ça c'était beaucoup trop gros pour moi. Et quand je suis tombé sur ces clous-là, je suis tombé amoureux de ces clous. Eh oui, et vous en avez fait plein de choses. On va les revoir ici avec... Alors là, il faut de l'imagination parce que qu'est-ce qu'on fait avec ces clous? Vraiment plein de choses finalement. Eh ben oui, ben en fait, on peut faire plein de choses parce qu'il y a, par exemple, on peut faire pour les métiers, pour le sport, pour la musique. Il y a tellement de choses à faire, voilà, dans des positions tellement différentes aussi, hein, pour un sportif, par exemple, pour un cycliste. Alors les cyclistes, exemple, Marianne va faire un plan sur les petits vélos qui sont là, parce que on aime dans la place du village les vélos en particulier. Puis vous avez surtout été ancien cycliste également. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai d'abord débuté à Chambéry, et ensuite à Culose. Et donc pour en revenir, les vélos, vous pouvez faire un sprinteur comme vous pouvez faire un grimpeur. Et exactement. Même un grimpeur n'a pas toujours la même position. Bien sûr. Mais ça vaut aussi pour plein d'autres choses, hein, de toute façon, comme un skieur ou par exemple pour quelqu'un qui tient sa guitare, il va la tenir forcément différemment. Donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est très stylisé, c'est très esthétique, c'est très... épuré, j'allais dire. C'est ça, au fond, il y a le travail que vous faites sur le plan technique, physique, mais il y a aussi un travail d'imagination en même temps. Ben, bien sûr. Alors déjà, ce qui fait que c'est fin, c'est que le clou de Maréchal Ferrand, par lui-même, déjà, est très esthétique. C'est ce qui fait que ces figurines sont très épurées. Ensuite, il y a l'imagination. Eh ben, il suffit, je vous dis, des métiers, il y en a plein. Hein. Par exemple, là, un jour, je rêve de faire des métiers, mais les métiers anciens, par exemple. Oui, revenir aux métiers anciens. Il y a plein de choses comme ça à faire. On voit le footballeur ici, dont le ballon, il n'est pas en plomb, mais enfin, et qu'est-ce que c'est beau, en tout cas. Alors, on va montrer les clous, parce que le point de départ, ce sont les clous de Maréchal Ferrand. On en voit toute une série ici. Voilà, donc vous avez du plus petit jusqu'au plus grand là-bas, et en fonction, ben, je fais avec, quoi. Voilà. Alors comment on travaille le clou? Parce qu'on voit bien ici, il faut le marteau qui va avec. Ah, il faut le marteau. Et plus que ça. Oui, plus que ça. En fait, il faut une bonne poigne. Il faut simplement une pince, le serrer et on le tord. Et éventuellement des tubes de différents diamètres pour lui donner une courbure, la courbure qu'on veut. Alors voilà. Ça paraît facile, mais c'est ça le talent justement, Jean-Marc. Parce qu'on voit ici le batteur, là aussi, il fallait y penser. Hein. Oui, ben c'est pareil. En même temps, il faut essayer de lui donner vraiment l'aspect de manière à ce qu'il tape sur ses... Regardez-moi ça, il tape sur des bambous, non, mais là ici... Regardez-moi ça ici, là, ça, parce que les mains, on voit le geste. Alors, typiquement, là, les pianistes, j'en ai fait plusieurs, mais avec, pareil, avec dans des mouvements différents, il y en a qui jouent à la Jerry Lee Lewis, hein, un peu debout, voilà, jouer du piano. Exactement. Debout. Voilà, ouais. Regardez-moi le skieur de fond ici qu'on voit là, on va saluer les champions qui étaient à Pékin il n'y a pas très longtemps. Oui. Et puis l'accordéon, dans la place Vierge, on a une bonne place pour l'accordéon. Voilà. Et là aussi, il fallait y penser également. Eh ben oui, exactement. Et devant, là, vous avez le saxophoniste, c'est par là que j'ai commencé. C'est l'une des premières figurines que j'ai fait à mon fils. Et c'est comme ça que c'est venu de fil en aiguille. Et puis les animaux, tiens, on voit un chat qui fait le dos rond, là-bas, il fallait juste courber comme il faut. Voilà, exactement. Et ça, je dirais, ça, c'est les incontournables. Les chats, c'est ce que les gens aiment le mieux. Allez, regardez-moi ça, voilà. Ça part bien. Alors, pour vous trouver, vous êtes intéressé par ces productions, on rappelle bien qu'il y a un site internet, on a marqué le nom juste en haut, et on peut commander à distance. Oui, tout à fait, il suffit de... Ah oui, parce qu'il y a des gens de Normandie qui me commandent, hein. Il n'y a pas de souci, je les envoie. Bien souvent, l'inspiration, on parlait d'inspiration, ils me la donnent. Ils me donnent un sujet. Ils m'envoient une photographie, et en fonction de la photo, je fais ce qu'ils désirent. Voilà. Mais quel talent, Jean-Marc, ici, nous sommes sous le charme de sa rencontre, on dit bien. Il habite à Brins, nous sommes en département de l'Ain, pas bien loin de Belley. Et l'atelier qu'on ira voir un jour, j'imagine que c'est là que tout se passe, la magie de la création. Exactement, c'est là que tout se passe, c'est mon antre. Ça l'antre ici avec le taureau qui charge ici, on dirait un vrai, il fallait le faire, il l'a fait. Merci bien. Voilà, et puis, les danseurs, parce qu'on va terminer là-dessus aussi, c'est que finalement on dit des choses quand on fait des choses comme ça. Il y a des gens qui ils ont un véritable coup de cœur, et bien souvent quand ils me commandent et qu'ils reçoivent les pièces, quand ils les ont pas vus en vrai, parce que de Normandie ils descendent pas forcément. Bien sûr. J'ai parfois des mails comme quoi ils ont vraiment été ravis de ce qu'ils ont commandé. Bravo, voilà. Merci en tout cas Jean-Marc Rubati. On dit bien, nous sommes ici à Brins, et donc on peut dire, donc votre métier c'est alors du coup, enfin votre travail ici. Alors depuis deux ans, j'ai commencé en 2014. Sculpteur,
J'en sais rien. C'est la magie des artistes. Fabricant de figurines, ouais. Et puis voilà. Et puis la pêche, là-bas, il y a même le poisson qui bouge. Tiens, on va voir d'ici, on a l'impression que ça vibre. C'est fait exprès ou bien? Oui, voilà. Il bouge. Il prend les vibrations. Il prend les vibrations et voilà. Bravo. On a l'impression qu'il le sort de l'eau. Bravo. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était la découverte et le talent de Jean-Marc. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à aller voir sa page internet et à commander éventuellement. Il sait faire tout presque avec des clous, tout simplement. Merci, bravo. Merci. Merci beaucoup. Voilà, toujours de belles rencontres hein, dans la place du village avec ces artistes, hein, tout en clous du côté de Bran, donc dans le département de l'Ain. Donc merci beaucoup à Jean-Noël pour ce reportage. Allez, vous êtes nombreux à nous suivre sur nos réseaux sociaux de la place du village. Eh ben, on va dire bonjour à Francis Laurent. Francis Laurent qui nous dit bonsoir à vous. Merci pour les reportages. Il nous regarde depuis le Facebook de la place du village. Également aussi, on salue Marie-Jeanne Pector également qui dit magnifique, bravo l'artiste. Et oui, c'est vrai que c'est quand même vraiment de très très beaux artistes qui actuellement donc dans la région. Et puis également Dolly qui nous regarde, donc juste magnifique également, donc pour tout ce qui est clou, c'est vrai que quand même, elle nous regarde depuis donc le Facebook de la place du village. Donc vous avez, voilà, donc n'hésitez pas à commenter, bien entendu, durant cette émission en simultané sur Facebook et sur YouTube. Allez, on continue dans cette émission avec quelques dates à retenir, quelques idées sorties également avec l'agenda donc dans les pays de Savoie. Et ben ça c'est les Marcel Mazout qui vont mettre le feu sur la butte de Saint-Martin, c'est près d'Annecy, c'est du côté de Seynod, ça sera le 18 novembre prochain du côté de Seynod à partir de 21h pour les Marcel Mazout au Terra Natura pour un concert 100% savoyard. Ils vont mettre le feu comme à chaque fois avec plus de 2 heures de concert donc du côté du café Terra Natura. On continue avec d'autres événements, notamment la Saint-Cochon, rendez-vous du côté de Pézenancroix, ça sera le samedi 19 novembre, donc ce samedi, Alain Molo sera sur place justement pour vous faire un live et un reportage complet, donc à retrouver dans la quotidienne de la place du village, donc la semaine prochaine. On continue avec cette fois-ci la fête foraine de Frangy, rendez-vous du côté donc de la Haute-Savoie, dans le village de Frangy, pour la fête foraine du 18 jusqu'au 27 novembre prochain. Les marchés de Noël qui commencent à arriver, on commence à recevoir plein de marchés de Noël, on vous en donnera de plus en plus, avec notamment celui de la Mèchevette qui se déroulera le samedi 26 novembre de 10h jusqu'à 17h30. Et puis aussi, notamment, notez bien celui d'Annecy. Il commence ce samedi. Et oui, le grand marché de Noël avec plus de 150 exposants à Annecy qui commence ce samedi 19 novembre jusqu'au 31 décembre dans les communes déléguées également d'Annecy comme Cran-Juvrier, Métès, Seynod, Pringy, Annecy-Lieu. Il y aura également donc des chalets. Donc il y a plus de 150 chalets donc réunis avec de nombreuses animations vous seront donc proposées pendant toutes ces durées donc du marché de Noël. Top départ donc à 17h, donc ce samedi 19 novembre, on sera sur place pour faire vivre bien entendu cet événement avec le coup d'envoi. Et puis on continue avec cette fois-ci les concerts avec notamment les Thunderbirds Tribute d'Easy Top qui seront en concert le samedi 26 novembre au Lake Pub, au bar et jeu sur les bords du lac d'Annecy, c'est donc du côté de Sevrier pour fêter les 4 ans donc du Lake Pub, donc une soirée très rock'n'roll à ne pas manquer. Et puis aussi également tout autre chose avec le concert de la Sainte-Cécile du côté de Salles. Ça sera ce dimanche 19 novembre du côté de l'église de Salles avec l'entrée totalement gratuite avec l'orchestre d'harmonie de Rumilly sera donc sur place. Et puis enfin on termine par château de Menton-Saint-Bernard avec qui vous présente le château du Père Noël. Ça commence demain du 18 novembre jusqu'au 1er janvier 2023. Tous les jours de 11h jusqu'à 23h, donc pour le château donc du Père Noël, du côté des rives du bord du lac d'Annecy, au château de Menton-Saint-Bernard. Voilà, et oui, c'est Noël qui approche vraiment à grands pas, hein, bientôt, tout juste bientôt un mois. N'hésitez pas à nous envoyer vos événements, on sait qu'il va y en avoir beaucoup en décembre, et nous, on sera également mobilisés durant tous les week-ends de décembre pour les marchés de Noël qui commencent à arriver un petit peu partout, avec également de nombreuses animations. Donc
donc dans les villes et dans les villages. Donc beaucoup de reportages à retrouver donc sur nos réseaux. Allez, on continue avec un nouveau reportage cette fois-ci, la fameuse dentelle au fuseau, une rencontre qui a fait fil de Paris du côté de la Gétase en Aravie, c'est en Savoie. Vous allez voir le savoir-faire justement de cette dentelle au fuseau. Voici les explications dans ce reportage de Philippe de Paris. Les traditions de la montagne avec la dentelle au fuseau. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu ces belles choses-là. Alors là, je suis en train de faire un motif poisson pour faire un pendentif. Ça s'appelle le poids le plus simple parce que c'est pour l'initiation. La dentelle au fuseau, ça se fait depuis longtemps ça, la dentelle au fuseau? Je crois que oui. Je ne peux pas vous dire exactement. On voit les doigts, comment on fait? Mais c'est incroyable ça, on a l'impression que vous tournez, on ne sait pas trop où ça va nous. Alors, si, c'est relativement simple. On prend quatre fuseaux, il y en a un qui s'appelle le meneur parce qu'il fait la trame et les autres ils font la chaîne. On fait ce geste-là, celui-là et celui-là. Et ainsi de suite, celui-là, celui-là, celui-là. Comment on apprend ça, Bénédicte? Eh bien, avec des gens qui savent, en général, c'est la transmission, c'est plus agréable qu'autrement. Il y a des cours par distance, mais je trouve que c'est pas... Le résultat final, on le voit ici, c'est incroyable. Il faut combien de temps pour faire ça, par exemple? Ça dépend de l'agilité de la dentelière. C'est magnifique en tout cas. On en voit ici la dentelle au fuseau qui se fait ici. Et à côté de vous, Bénédicte, on a Martine. Alors Martine, elle a un rouleau et ça tourne, Martine? Oui, alors c'est un carreau. Et donc je suis en train de faire un bracelet pour un enfant. Et avec la même technique que Bénédicte, donc qu'on appelle le point mat. Et moi, j'ai appris avec Bénédicte. Bénédicte, qui est l'animatrice de notre atelier. Voilà, et j'en fais depuis maintenant 3 ans. J'ai commencé par ce genre de motifs, et puis maintenant, ben, je suis capable de faire des choses comme ça. Ouais. C'est absolument magnifique, il y a un savoir-faire incroyable. Il faut quand même un certain temps pour le faire, Martine, ça, parce que quand on voit le geste, c'est incroyable ça. Bah de la patience et puis l'envie aussi de le faire. Et puis on a plaisir quand on a terminé notre œuvre. Actuellement, je ne l'ai pas là, mais je suis en train de faire un brise-bille pour le haut de fenêtre. Et j'ai fait 50 cm à peu près. J'ai mis 3 mois et demi à peu près à le faire. Mais bon, je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà. Geste incroyable, on voit ce geste ici, mais et si on se trompe, Bénédicte, ben comment on ça se fait? On refait, et au début on refait, oui, on continue. Il faut des bons yeux quand même. Oui, ouais, il faut de la clarté. Ouais. La dentelle au fuseau, comme autrefois, ici à la Giette, ici avec le savoir-faire de l'association d'éducation populaire giétoise. Bravo mesdames en tout cas. Merci. Et puis félicitations pour tout ce que vous avez fait. Merci Maître. Et ben voilà, vous cherchez du monde ou pas? Non, on ne cherche pas, que les gens qui ont envie d'essayer, essayent. Oui, s'il y a des gens qui habitent dans le coin, ils peuvent se joindre à nous aussi. Hein. Merci pour ce savoir-faire, bravo en tout cas, merci beaucoup. Voilà, le fuseau et ses dentelles ce soir dans la place du village avec Philippe de Paris. On va saluer Monique, bonjour. Monique, c'est exactement, qui nous regarde, qui dit bonsoir à toute l'équipe de la place du village. Bah, merci beaucoup Monique, qui nous suit donc actuellement sur Facebook. Également aussi Hervé Martin, belle soirée à vous tous également, qui nous suit donc sur Facebook. Bah, n'hésitez pas à commenter hein, donc nos reportages et puis nous dire un petit peu ce que vous souhaitez aussi également retrouver durant cette émission. Ben justement, donc on va tout de suite passer à la revue de presse en Savoie-Mont-Blanc avec le journal Le Faucigny qui a paru aujourd'hui, en ce jeudi, le journal libre et indépendant qui revient sur Les Républicains, l'homme de droite qui veut reparler à l'oreille des Français. Un article complet donc à retrouver cette semaine donc au niveau politique sur le journal donc du Faucigny. Également un journal que je vous conseille avec la une de
l'hebdo des Savoies qui est paru aujourd'hui avec du côté de Rumilly des polluants chimiques dans l'eau potable. Et oui, hein, ces derniers jours, on ne pouvait pas consommer l'eau potable donc du côté de Rumilly dans l'Albanais en Haute-Savoie. Et puis également un autre article à retrouver avec Aix-les-Bains, le tourisme prend le pas sur le thermalisme. Donc à retrouver donc cette semaine depuis aujourd'hui donc dans l'hebdo des Savoies. Voilà pour donc ces quelques informations, bien entendu. On va continuer avec les archives de la place du village, avec des reportages, surtout sur des personnes qui nous ont quittés. Et notamment, regardez cette figure, elle a fait des millions de vues et des millions de vues. Ça a été vraiment l'idole, justement, de la place du village, de la part de tous ceux qui suivent l'émission depuis plus de 30 ans. Et bien, justement, on va revenir sur ce passage, il y a tout juste 4 ans de cela, avec Mimi Poliak, qui justement qu'à l'époque nous disait que la gnoule donc était sa soigne des pieds à la tête. Bon souvenir que je vous propose de retrouver, c'était il y a tout juste 3 ans et demi jour pour jour avec Jean-Noël de Paris pour ce reportage souvenir ce soir. Regardez. Mimi, on va parler de la gnoule parce que vous avez de quoi nous dire sur les gnoules. Mais c'est-à-dire que les autres fois ils buvaient que ça. Il n'y avait pas de vin. Eh ben oui. La maman, elle allait faucher, sous le pertuis, quand le grand-père est revenu de la guerre avec une jambe coupée, elle allait faucher sous le pertuis avec René à Jules, et puis je ne me rappelle plus qui, bref, Marius allait certes. Elle revenait à 10h30 du matin, elle voulait manger un bout de pain de tomme. Ouais. La mémé disait, faut laisser la tombe pour le pape, faut laisser la tombe pour le grand-père qui est revenu de la guerre. Oui. Mais la maman, elle se coupait un énorme bout de pain, ouais. Elle allait au grenier, prenait la bouteille, elle se mettait de l'agneau sur le pain. Et dis donc, de l'agneau sur le pain? Ah ben oui, et puis c'est bon. Eh oui. Et puis elle repartait faucher avec ça. Eh oui. Et puis, quand on faisait les veillées, ben bien sûr. C'était tout le temps l'agneau. On a toujours mis des raisins dans l'agneau, toutes sortes de choses dans l'agneau. Et puis l'agneau, ça conservait aussi. Ah ben ça conserve les fruits, puis ça nous conserve nous aussi. Ah ben bien sûr. Alors on dit parfois dans nos émissions que l'agneau c'est un médicament, c'est vrai? C'est plus que ça, il n'y en a plus des médicaments comme ça. Ah c'est incroyable. Ça soignait quoi à l'époque? On soignait tout. Comment? On soignait quoi à l'époque avec l'agneau? Des pieds à la tête. Des pieds à la tête. La tête aux pieds. Mais par exemple... Et pas la grippe, on la soignait à l'agneau. Oh, ben la maman, le mal de dents. Le mal de dents. Quand on avait mal aux dents, Henri, il pleurait tout le temps du mal de dents, le pauvre Henri. C'est qui Henri? La maman, mon frère. C'est le frère, oui, exact. On était 7, enfin, bref. Elle prenait un coton, l'agneau, imbibé de coton, ouais. Couché, elle nous a fauté le coton plein d'agneau entre les dents. Et puis maintenant, vous allez vous boucher le groin et vous dormez. Ça nous endormait. Ah, mais ça faisait dormir. Et ça guérissait le mal de dents. Voilà, la grippe. La grippe, c'est... Ah ben la grippe. Ah ben la grippe, c'est pareil. Mais la grippe, tu mets une grosse cuillère de miel dans un verre ou d'une tasse. Et puis tu y mets un bon coup de gnôle. Voilà. Avec un verre d'eau bouillante. Et voilà. Et puis tu vas te coucher. Et puis tu dormais bien et puis ça transpire. Et puis tu transpires, ah ben, il faut ça pour suer. Et le mal de ventre, on dit que le mal de ventre, pour digérer, il n'y a rien de tel qu'une c'est bonne C'est pareil, nuit. Monsieur de Paris, je te dis que ça soigne des pieds à la tête. C'est vrai. Mais alors, du coup, alors aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, Mimi, la gnôle, c'est fini pratiquement. Mais tu sais bien, faut pas parler à personne, faut même pas leur parler d'une goutte de vin, c'est pas de leur parler d'un verre de gnôle. Ça vient de quoi des gendarmes alors? Certainement, la police. Leur connerie. Voilà. Leur connerie. Alors on dit, Mimi, avec modération, parce qu'on va se faire encore... voilà, on dit avec modération. Ah bon, on est deux, mais on fait bien ce qu'on veut. Ah ben c'est vrai, ça aussi. Oh, ils vont... rideau, hein. Parce que, dites donc, le rakabi, vous y mettez de l'alcool avec aussi, vous, hein. Mais c'est bien obligé, autrement ça tourne le lendemain. Ben c'est ça, il ne faut pas que ça tourne. Et c'est de l'alcool à 90 en plus, hein. Pour le guignolet. Ah, le guignolet. Pour le racabé guignolet, ouais. Il faut de l'alcool à 90. Ouais. Tout le reste, j'y fais avec de l'eau de vie de pomme. Ah oui, oui, c'est bon. Voilà. On n'en trouve même plus. Ah oui. Alors tant pis, puisqu'on ne peut plus en offrir. Ouais. Et puis nous, il faudrait plus qu'on en boive. Alors, mais... On en boit quand même. Mais je vais m'en faire quand même. Hein. Ah, bah,
Oh. Et puis quand il vient quelqu'un chez vous, Mimi, hop, un petit coup de racabie. Ah bah bien avec sûr. L'alcool avec. Ah bah bien sûr. Ah oh, mais ils disent non, non, on conduit. On conduit, oui, oui, ben vous avez de la chance, vous avez conduit tout le temps de nos vies, nous on n'a jamais touché un volant, il a bien fallu que ça fasse. Non mais c'est vrai, monsieur c'est vrai, de Paris. C'est vrai, c'est la vie. Merci Mimi Poyac, je te jure. Avec son sens extraordinaire du propos, je te jure. Et la justesse du propos. Allez Mimi, merci beaucoup, super. Voilà pour ce bon souvenir qu'on voulait vous proposer ce soir dans les archives de la place du village avec Mimi Polia qui a tout juste 3 ans, hein, donc avec toujours ces reportages vraiment très très sympas, hein, qu'on vous a pu suivre pendant de nombreuses années. Voilà donc pour donc ce reportage en Savoie Mont-Blanc, on va justement avec un petit message, regardez, de Monique Cessé qui nous dit: chère Mimi Polia qui nous suit sur Facebook, elle manque à tous, et oui c'est vrai qu'elle nous manque beaucoup. Et un petit message également encore de Monique qui dit: merci Jean-Noël pour toutes les fois qu'il est allé voir Mimi. C'est vrai qu'il venait, il allait très très souvent voir Mimi Polac, donc du côté de Dungis Saint-Clair. Allez, on continue avec les stories du jour de la place du village. Justement, eh ben, on vous propose chaque soir vos instants dans nos montagne à travers les pays de Savoie. Vous êtes très nombreux à nous identifier dans vos photos ou même dans vos vidéos. Voici justement le résumé de ce jeudi 17 novembre. Voilà pour voilà, elle arrive l'image. Voilà, c'est ça les directs avec justement donc ces stories du jour. Bah, n'hésitez pas à nous identifier, hein, dans vos stories sur Facebook et sur YouTube. On fera un plaisir chaque soir de diffuser donc vos instants donc dans nos pays de Savoie. Et puis nous avons Muriel Lacombe qui nous dit sur Facebook: vive les anciens comme ma grand-mère. Et oui, ça c'est vrai, hein, bon, on le dit très très souvent. Et puis surtout Monique qui nous dit: vive le racabi. Bah oui, même si Mipolek n'est pas là, elle nous surveille toujours de là-haut avec justement son verre de racabi. Voilà pour donc ces instants en Savoie Mont-Blanc pour cette émission de la place du village. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux actuels, Facebook, vous avez également YouTube où nous sommes en direct en ce moment. Vous pouvez revoir cette émission également, n'oubliez pas Instagram et le TikTok de la place du village qui va être mis à jour dans les prochaines heures. Il y a eu quelques petits soucis pour publier des vidéos, ça arrive de temps en temps qu'il y a des petits bugs avec les réseaux, mais tout est rentré dans l'ordre, donc de nombreuses publications vont être mises en place. Et puis n'oubliez pas aussi également le replay de la quotidienne de la place du village sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez donc revoir tous les reportages et surtout cette émission de la quotidienne. Voilà, 19h42 en ce jeudi 17 novembre, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, les prévisions de la météo en direct pour Facebook et YouTube à 19h50, et on va se quitter ce soir avec quelques images justement d'une très belle chapelle, celle des Confins, ce soir avec des images de Jean-Noël de Paris dans les couleurs d'automne du côté du Grand Bornand. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve demain à 19h pour la dernière émission de cette semaine en Savoie-Mont-Blanc avec encore de très beaux reportages donc faits par l'équipe de la Place du Village. Merci à vous tous de votre fidélité et à demain, et surtout, Arvipa.
Avis à la population, on vous présente la place du village. Non, on fabrique des feignants. Bien, bien sûr. Oui, tout simplement. Bien sûr. Marius, c'est une bonne vache, mais il faut savoir la traire.